passer, on est d'accord les gars. Ah bon, je suis pas bien, je suis pas bien. Ok, 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 c'est... Ok, bon, ça bouge tout seul, ça bouge tout seul. C'est vers la porte. Ok les gars et les filles, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça fait extrêmement plaisir de vous revoir. On s'attaque aujourd'hui à un concept que j'ai pensé dans ma petite tête, qui a l'air plutôt stylé, plutôt sympathique. Le concept d'aujourd'hui est très simple. On va regarder ensemble, vous et moi, des vidéos d'horreur. Mais on va regarder des vidéos d'horreur, ok. Mais bon, c'est pas ouf si on regarde que ça quoi, c'est pas ouf. On va les regarder en 360 degrés. C'est-à-dire qu'on pourra se déplacer, on peut dire ça comme ça, dans la vidéo. Du coup, sans plus tarder, on va commencer à regarder la première vidéo. Voilà, rien de plus à vous dire qu'on peut commencer la vidéo. Let's go. Donc on va taper, comme tous les gens qui n'ont pas du tout d'originalité sur YouTube, on va taper dans la barre de recherche, si encore des gens disent ça. Oh, attendez, est-ce qu'on va chercher s'il y en a une Stranger Things? On va voir, on peut essayer après tout. Vidéo horreur, Stranger Things. Yes. Ok, vidéo d'horreur. Ok, il y en a une. Je sais pas si c'est ça. Commençons à regarder la vidéo, c'est parti. Netflix Online Home. Ok, du coup les gars, vous voyez, on peut se déplacer. Ok, donc là il y a une lueur, là ici, comme vous le voyez. Du coup je pense qu'on peut se, on peut se déplacer. Du coup vous voyez, on peut se déplacer. À... Ok, c'est stylé, c'est plutôt flippant. Oh. What? Il y a un truc qui vient de passer, on est d'accord les gars. Il y a un truc qui vient de passer là. Ok, donc il se passe plutôt des choses paranormales, il y a le truc qui bouge tout seul là-bas. Ah gros, je suis pas bien là. Ok, donc là on peut avancer, du coup c'est la vidéo qui avance tout seul, hein. C'est pas moi, j'ai pas de manette pour avancer ou quoi. Oula, je viens de faire pause, yes. Donc là on avance, enfin la vidéo avance. Et nous on peut juste se déplacer comme vous le voyez à l'écran. Donc là il y a quoi? Ok, c'est pas là qu'on doit laisser, ok. On doit suivre la lueur jaune je pense, ouais c'est ça. Ok, let's go. Ok, bon là il y a un truc, vous voyez la fenêtre là-bas? Je pense qu'il y a un truc qui va sortir, j'en ai aucune idée mais... Y'a rien derrière moi. J'ai peur qu'il y ait un truc tout le temps derrière moi. Truc à la fenêtre. Truc à la fenêtre. Truc à la fenêtre. Que je décroche. Attendez, mais y'a rien. Y'a un truc derrière moi, non? Y'a un truc derrière moi. Y'a le démon gorgon. C'est quoi ça? C'est le démon gorgon. Non, mec, j'ai pas de goûter. J'ai pas ton goûter, mec, non. J'ai rien, mec. Oh l'enculé, putain, il m'a fait... Oh, il m'a fait sursauter. Ok, donc cette vidéo n'était pas trop flippante, mais m'a juste fait sursauter, ce qui est tout de même, quand même pas cool, hein, c'est pas cool. Ok, on est parti. Pour une meilleure expérience, utilisez un casque audio, augmentez la lumière de l'écran. Ok. Ah, du coup, on peut se déplacer encore une fois, je vous l'explique encore. Wow. Oula. Salut, c'est James Wan. Bienvenue dans l'expérience Conjuring 2 en réalité virtuelle. J'espère que cela vous plaira. On est parti, ok. Ok. La télé s'est allumée toute seule. C'est la Marseille. C'est l'équipe de France? Non, pas du tout. Je suis venu ici pour voir ma famille. Ok. Mais ils ne sont plus là. Ok. C'est ma maison. T'es qui toi? Je te connais pas, gros. Ma maison. Ok. Oh, ça j'aime pas du... On dirait Dark Vador, putain. Je suis ton père. What? C'est quoi c'est... Oh. Oh. C'est quoi? Sympa les posters, sympa. C'est quoi ça? Wow, c'est... Ok, pourquoi ça bouge tout seul? Quelqu'un derrière moi, c'est... C'est quoi ça? La nonne, on est amis, mais non, on est pas amis, du coup, c'est... Comment ça y est, putain. Mais pourquoi ça tourne? Elle va se retourner. Tout derrière moi, c'est ça, non? Il y a rien derrière moi. Ouf. Oh, ça s'est allumé. Eh, c'est ouvert la porte. Non, mauvais délire. On va dans le... Putain, j'aime pas les délires comme ça. Pourquoi je fais des vidéos comme ça aussi? Putain, je suis débile. C'est quoi ça? C'est une dame, non? C'est... Oh. Oh, ça va, mec? Quoi? Oh. Oh. Mais ça... What?
Oh la putain, t'es ma sa gueule. Essayez de faire ça chez vous tout seul, vous allez flipper vraiment. Hein, voilà, vous allez dire ouais, mais Léo, c'est quoi ta réaction? C'est pas du tout flippant. Bah, les gars, faites-le chez vous, ça fait extrêmement flipper. Putain, mec, je m'attendais pas à ça. On est parti pour la dernière vidéo de cette vidéo. Bon, vous m'excuserez, c'est pas trop compréhensible, mais c'est pas grave. On est parti pour regarder la prochaine qui est 360 degrés hit. Donc, sa traduction en français. On verra bien si elle est stylée, on verra bien si elle est nulle. C'est parti. Warner Bros. Pictures. Il pleut, ok. New Line Cinema. Ok. Ok, donc là on doit se diriger vers là plutôt, ok. On est dans le checkar, il pleut. Le bateau, qu'est-ce qui... Le bateau, revient, revient. Ok, Miss Seed, ça veut dire qu'il est. Qu'il a disparu, non, je sais pas. Un lampadaire qui s'en bat les couilles, moi. Ok, on s'en invite un peu. This your boat? Pennywise. It's a nice boat. I'm Pennywise, the dancing clown. Now we aren't strangers, are we? C'est mon bateau, hein, c'est un peu mon bateau, quoi. Aren't you gonna come say hello? Ok. Waouh, on vole. C'est lourd, là. C'est lourd. C'est grave bien fait, le décor est ouf. J'imagine en plus, ils ont fait ça tout ça en 3D, c'est grave stylé. On pénètre dans le thé. On pénètre dans les égouts. On pénètre ta... Donc il fait de l'harmonica, du Pennywise. Non, mais de l'accordéon, donc ferme ta... Y'a des rats, y'a des rats, what, pourquoi y'a des rats? On est clairement dans les Tortues Ninja ici, hein. What? Ah! Do you want a balloon? Comment on se retrouve? Ok, donc là il y a Pennywise, ça. Il y a un ballon qui arrive droit sur ma gueule. I love Jerry. Ok. Ok. On avance. Une voix d'enfant. Je crois que c'est la voix de l'enfant du film. Mais quel cacao est jaune, je sais plus comment il s'appelle. Une boîte à musique. Ok, le son est un peu plus. Ouah, il y a un mec là-bas. Ah, c'est le petit, ouais. Wow. Ok, il est parti là-bas, le con. Je dois t'amener à la garderie, putain. On n'est pas dans la... Oh, il est là. What? Attends, y'a quelqu'un derrière moi ou quoi? Ok. Non mais ça c'est horrible, j'ai tout le temps peur qu'il y ait quelqu'un derrière moi, c'est une phobie que j'ai souvent, chez moi, voilà, ça m'arrive, ça me prend des fois. Ok, la lumière s'est éteinte. Ok. Vous voulez m'étrangler le con? C'est pas très gentil ça. Ok, y'a quoi? Y'a pas rien derrière moi, y a... Ok, y'a rien. Un ballon, on est habitué à force avec Pennywise. Petit cachot. Quoi? What? Y'a rien derrière moi? Ok, y'a rien, y'a juste des ballons. Sur ma gueule, ok, donc on va suivre le mouvement des ballons. Si je dis pas de conneries. Pennywise. Oh le bâtard, il m'arrive. Oh le bâtard, il m'arrive. Wow. The fuck. What? Il est où? Il est en bas? Ok, d'accord. Ouais, donc là, ça, elle m'a pas trop fait peur, mais les graphismes étaient quand même très 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 stylés, je tiens à retenir. Parce que ouais, elle était quand même pas mal, vraiment. Les mecs qui ont fait ça, je leur retire mon chapeau. Bon, ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Pour faire un petit résumé de cette expérience que j'ai vécue en 360 degrés sur le thème, bien sûr, de l'horreur. C'était plutôt stylé, les graphismes étaient bien faits, mais j'ai trouvé que genre ça faisait pas trop trop peur pour ce que j'attendais, en fait. Mais bon,
y a des moments qui font un peu flipper, c'est vrai. Il y a surtout des gros screamers qui t'arrivent à la gueule. Tu comprends strictement rien à ta vie. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce concept. J'espère aussi que ça vous a fait un peu peur. Ou peut-être pas, ou peut-être que je dis que de la merde. C'est fort possible. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Léo. A plus.